Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent LEGO City Edition 2018. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 18 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vous rappelle que hier, nous avons eu quoi? Nous avons eu le monsieur avec ses petits gâteaux. Voilà. Et donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir quelle est la surprise. La petite case est ici. Il reste que le tout petit véhicule à construire. Et je ne sais plus tout pourquoi je prends cette voie-là. Donc, on va ouvrir ça. Oh bah ça en plus c'était plutôt ouverture aisée, ouverture facile pour une fois. Allez, là. Ne va pas te mettre un coin de carton dans le doigt. Et aujourd'hui, eh bien justement, nous allons construire un de ces fameux mini-véhicules qui sont présentés sur des présentoirs bleus, parce que comme tout le monde le sait, la meilleure façon d'exposer ces modèles Lego chez soi, c'est d'acheter des gros présentoirs bleus en carton. Et on va donc le construire. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a l'air d'avoir de la brique, ma foi. C'est que ça pourrait presque même être intéressant, non? Donc, comment ça fonctionne? Ok, alors, bien évidemment, et comme d'habitude, on va juste prendre un peu le temps de faire en sorte que tout soit bien visible par mes très chers, par mon très cher public. Voilà, qui devrait. Alors, ça devrait plus ou moins faire l'affaire. C'est vrai qu'hier, en termes de lumière, j'étais un peu hardcore et là, je suis toujours aussi hardcore. Donc, on va, voilà, on va juste se mettre ça comme ça. Voilà. Donc, on va commencer avec une 2x3. On va fixer une accroche pour des petits trous ici. Et ça, on va le faire eh bien, une seconde fois. C'est-à-dire que on va reprendre la pièce ici, la mettre là. Et là encore, la petite pièce noire qu'on va hop là, bien maintenir en place. Forcément, vous vous dites, mais là, il y a des trucs qui dépassent. Ben ouais, il y a des trucs qui dépassent. Et donc, c'est pour ça qu'on va caser une petite pièce, une fois, deux, avec la rainure ici pour faire un peu l'avant, le pare-choc, entre guillemets, du petit, de notre petit pick-up, ou plutôt monster truck, ou 4x4, ou pire, c'est aussi une bonne façon de le dire. On va ensuite fixer deux pièces, une fois quatre, pour tout recouvrir à ce niveau-là. Caser ensuite l'avant pour mettre le moteur qui va ressortir grâce à une petite pièce une fois une. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'ai déjà fait la réflexion, mais je me demande si ces mini-véhicules sont basés sur des véhicules Lego City sortis auparavant. Mais honnêtement, ça ne me dit rien. Donc pour ceux qui s'y connaîtraient un peu plus en City, est-ce que ça reprend ou pas des vrais véhicules Lego City, mais en version plus petite? J'ai quand même des doutes. Voilà donc l'accroche pour les petites vitres. Excusez-moi si je ne l'ai pas bien montré à la caméra. C'est vrai que des fois, j'ai tendance un peu à relever comme ça et on voit plus grand-chose. Mais là, je pense que vous pouvez voir plus ou moins comment ça se passe. La cabine qu'on va faire à ce niveau-là. Et enfin, la petite partie du rangement à l'arrière. Et donc, nous avons un petit camion qui est, ma foi, plutôt fonctionnel. Même si je pense que peut-être qu'à faire un arrière un peu plus long n'aurait pas été trop mal. Nous avons aussi une petite rampe à construire. Donc pas grand-chose de plus à dire, c'est un peu comme la rampe qu'on avait pour notre espèce de luge à ce niveau-là. Et enfin, en termes de pièces restantes, eh bien il en restera deux, des petites pièces une fois une forcément, pentues, pas pentues, transparent, pas transparent. Et donc voilà pour notre petite surprise du jour. Un petit pick-up qui passe plutôt pas mal, mais je sais pas, je suis pas non plus entièrement convaincu. Idem la taille des roues par rapport au reste de la taille du camion, et elles sont quand même très petites je trouve. Donc c'est un petit véhicule, voilà. Après, je pense que pour cette échelle-là, on peut trouver mieux. La navette était un peu plus efficace, idem pour le train, je trouve. Mais en tout cas, bon, voilà pour un de ces trois véhicules qu'il nous manquait. Je vous rappelle qu'il reste encore le petit véhicule de chantier, l'hélicoptère, ainsi que le robot que vous allez pouvoir voir affiché derrière. Et d'ailleurs, effectivement, le 18, et donc ça fait qu'il ne reste plus que 6 jours avant Noël. Donc on a passé effectivement la semaine dans l'idée, hein. Vu que ouais, Noël, bah, le 24 sera lundi. Alors après, bien sûr, forcément, certains fêtent Noël le lundi minuit, d'autres c'est plus le 25 au matin. Bon, ça après, bien évidemment, il faut un peu adapter. Alors, très clairement, on a une piste de course, on a un véhicule qui a des roues, donc je serais bien tenté de le mettre là, voilà. La navette, je pense que de toute façon, elle va devoir partir un jour ou l'autre, mais là encore, c'est qu'il y a beaucoup de choses à placer et pas vraiment la place pour. Donc voilà, pour l'instant, on va juste mettre le petit pick-up ici. Ce sera très bien comme ça, je pense, pour l'instant. Et ça va aussi nous permettre eh bien, d'arriver à la fin, à la conclusion de cette petite vidéo, donc sur la case 18 du calendrier de l'Avent LEGO City 2018.
Donc là encore, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera demain, pour le 19, donc qui est juste là. Est-ce qu'on continuera sur à lancer des petits véhicules? Est-ce qu'on fera une figurine sortie de nulle part? Je ne sais pas du tout. C'est la surprise, et donc on verra ça demain. Allez, salut à tous et à toutes!